Nouvelle Storytime horreur. Abdelwahab, ça faisait 5 ans qu'il était marié, mais qu'avec sa femme, ils avaient un problème. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc lui et sa femme allaient de médecin en médecin, mais à chaque fois, le résultat était le même. À savoir que ni Abdelwahab, ni sa femme n'avaient un problème pour avoir des enfants. Il fallait simplement attendre Rahma d'Allah, c'est-à-dire attendre et bien que Dieu leur accorde enfin ce souhait pour qu'ils deviennent parents. Donc Abdelwahab, il avait commencé à accepter la situation, lui ok, mais sa femme n'a jamais accepté cette situation. Pour elle, elle voulait être mère tout de suite. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait beaucoup de prières de nuit et elle demandait tout en pleurant, en invoquant Dieu du plus profond de son âme, d'avoir un enfant et enfin d'être mère. Et elle voyait que pour elle, eh bien, ça prenait du temps et à chaque fois, en fait, c'était que des échecs. Elle était pensée être enceinte, elle ne l'était pas. Et donc, à chaque fois, elle baissait les bras. Un jour, elle va se confier à la mauvaise personne. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux personnes qu'on pense être bien, qu'on fréquente, mais qu'on ne les connaît pas du tout. Car cette personne va être, eh bien, sebeb, la cause de la perte de cette femme. La femme d'Abdelwahab, elle avait essayé toutes les techniques possibles et imaginables pour tomber enceinte, toutes les plantes, elle les avait bues, tous les conseils que les dames plus âgées lui donnaient, elle les faisait, mais aucun résultat. Et donc un jour, elle va se confier à cet ami-là, et cet ami-là va lui dire, viens, je vais te ramener chez un chir, vous allez comprendre, et c'est celui-là, tu vas voir, il va t'aider, et tu vas devenir mère, tu vas me remercier toute ta vie, tu vas rien comprendre tellement que tu vas voir le miracle que cet homme-là peut t'apporter. Donc elle était tellement dans cette envie-là et dans cet empressement, eh bien, de devenir une mère, eh bien, qu'elle a suivi sa copine aveuglément et qu'elle s'est rendue chez cette personne. Donc son mari va finir par le savoir et elle va nous donner, à partir de là, plus de détails sur ce que ce fameux chir lui avait dit de faire afin de tomber enceinte. Donc, selon ses dires à elle, le chir lui aurait dit de prier énormément, de continuer comme elle le faisait, mais cette fois-ci de prier dans la chambre, eh bien, qui était destinée à leur futur enfant, puisqu'ils avaient déjà prévu, mais comme à chaque fois il y avait des fausses couches, eh bien, cette chambre était toujours vide, mais déjà bien équipée. Donc, c'est là-bas qu'une nuit, son mari l'a surpris, en train de prier, mais surtout en train d'être très mal à l'aise quand son mari est rentré sans la prévenir dans la chambre. Il a décidé en fait de la couper juste pour lui demander une information pour lui qui était urgente et donc il avait vraiment besoin d'une réponse de sa part. Et donc quand il a ouvert la porte de la chambre, celle-ci elle a été très vite mal à l'aise, très vite dérangée, très vite désagréable. Mais ce qui était le plus bizarre, eh bien, pour Abdelwahab, c'est que il voyait sa femme, eh bien, comme si elle tenait une discussion avec quelqu'un. Donc, à partir de là, Abdelwahab, il va se mettre, eh bien, à surveiller sa femme sur tous ses faits et gestes. Mis à part qu'elle restait des heures durant dans cette chambre d'enfant, eh bien, maintenant, elle avait un autre problème. C'est qu'elle restait des heures durant enfermée dans la salle de bain. Il dit qu'il mettait l'oreille à la porte de la salle de bain, mais qu'il n'entendait pas ni l'eau, ni la douche, ni la charge d'eau, ni rien, mais qu'il l'entendait comme si elle parle, mais elle parle doucement, de peur peut-être que son mari ne l'entende. Moheb nous dit que sa femme était quelqu'un qui était très pieuse à la base et qu'elle n'a jamais raté une prière, mais ça faisait un moment maintenant qu'il avait remarqué qu'à part prier dans la chambre, quand elle était avec lui, quand ils étaient ensemble, aux heures de prière dites normales, elle ne faisait aucune de ces prières-là. Et une nuit, ils étaient endormis et Abdelwahab va commencer à entendre sa femme qui parlait, mais dans son sommeil. Et à plus tendre l'oreille et regarder et écouter sa femme, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, ok, mais attends un peu, je dors et dès que je me réveille, eh bien, je te ferai tout ce que tu voudras. Il se levait et s'est penché du côté où dormait sa femme pour voir avec qui elle parlait. Mais il n'y avait personne. Donc il s'est rallongé et il était en panique. Donc dès le lendemain matin, Abdelwahab ne pouvait plus supporter eh bien toutes ces cachotteries de la part de sa femme et toutes ces bizarreries. Donc il va décider eh bien de la confronter. Il lui dit, écoute, je ne sais pas c'est quoi ton comportement, t'as changé. Et à force que Abdelwahab va mettre la pression sur sa femme, elle va finir par craquer et par avouer
Qu'est-ce qu'elle va lui avouer? Elle va lui avouer qu'en vérité, l'homme qu'elle disait être un chir s'est avéré être un sorcier et qu'elle se rendait chez lui puisqu'il avait aidé telle et telle et telle et telle personne. Donc, Abdelwahab, étant un croyant et n'aimant pas du tout ces pratiques-là, il était choqué. Il ne reconnaissait pas sa femme. Donc, pour lui, elle avait dépassé les limites et c'était quelque chose pour lui qui était impardonnable. Donc, il va lui dire directement, ok, t'as franchi la ligne rouge. C'est la limite, on divorce. Donc, dès qu'elle a entendu le mot divorce prononcé par son mari, elle a paniqué et elle lui a dit, écoute, tu peux pas me divorcer, en tout cas pas maintenant, puisque je suis enceinte. Donc, quand son mari, il a entendu de la part de sa femme qu'elle était enceinte, il était quand même content d'un côté, mais très déçu de l'autre. Abdelwahab, il a voulu au plus vite, eh bien, s'assurer de la santé de son bébé et donc ramener sa femme à l'hôpital pour qu'il la check, etc., etc. Sauf qu'à chaque fois, elle trouvait une excuse pour que son mari ne la ramène pas. Et un jour, il va la forcer, ils vont arriver à l'hôpital, elle va avoir un examen, et là, vous avez deviné, elle n'est pas du tout enceinte. Donc, au retour à la maison, il était encore plus énervé. Et donc là, il lui dit, c'est beau, tu fais des trucs bizarres, et en plus, maintenant, tu me mens ouvertement. On divorce et c'est fini. Donc elle lui dit, ok, je suis d'accord pour divorcer, mais par contre, la condition que j'ai pour accepter le divorce, c'est que c'est toi qui pars de la maison et moi je reste ici. Sauf que les gars, la maison appartenait à Abdelwahab et c'était son seul bien et lui n'avait pas envie de retourner chez sa famille. Donc il lui a dit, hors de question, c'est toi qui vas prendre tes affaires et rentrer chez ta famille puisque l'appartement est sur mon nom. Donc elle a vu qu'elle n'avait pas le choix, elle a fait ses valises et elle est partie. Donc maintenant, ça faisait un moment, et eh bien qu'Abdelwahab vivait tout seul dans l'appartement. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Car au bout d'un moment, il va commencer à remarquer des choses étranges, eh bien dans son appartement. Des bruits, des mouvements, alors qu'il est censé être tout seul. Déjà, il nous dit que plusieurs fois, lorsqu'il se rendait à Chacom aux toilettes, il entendait quelqu'un courir dans sa maison. Et il a dit, c'était grave bizarre. Ensuite, il dit des fois, il était assis par exemple, soit dans sa chambre ou dans le salon, mais il va se mettre à entendre, vous savez, quand on allume l'interrupteur, le cliquetis là, eh bien, il entendait ça. Entendait, eh bien, dites-vous, dans la chambre où la femme priait beaucoup, la chambre qui était censée être celle de leur futur enfant, eh bien, il entendait un enfant qui était en train de jouer à l'intérieur de celle-ci, et c'était exclusivement maman. Mais l'un des événements les plus flippants pour Abdelwahab, c'est qu'il dit qu'une nuit, il était endormi dans sa chambre, porte fermée, et il dit qu'il entend la porte de sa chambre s'ouvrir. Qu'il n'a même pas osé ouvrir les yeux, mais qu'il les a serrés comme ça, qu'il les a serrés très fort ses yeux pour s'empêcher d'ouvrir et de voir ce que c'était. Mais il y avait un bruit, et ce bruit-là, ça l'attirait et il voulait savoir ce que c'était. Donc, il décide d'ouvrir les yeux, de se redresser sur son lit, et là, il est choqué. À la porte se tenait, en train de tenir la poignée de la porte, et était dans le couloir, dites-vous, eh bien, un enfant. Dès que l'enfant a vu qu'Abdelwahab le regardait et l'a regardé, l'enfant s'est mis à courir en direction de la chambre où sa femme priait. Donc, Abdelwahab, il dit que cet événement-là de la porte, que le gamin venait ouvrir la porte et restait là à le regarder, ça s'est passé plusieurs fois. Mais il dit qu'une nuit, il va se lever puisqu'il a la sensation qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il ouvre les yeux et là, il dit qu'il voit l'enfant au milieu de sa chambre. Il n'était jamais rentré à ce point-là dans sa chambre. Il dit donc, quand il a vu s'est levé, il était choqué. Il dit surtout l'enfant. Il faisait flipper à regarder. Et il a dit, il voulait crier, il voulait dire quelque chose, mais il n'arrivait pas tellement qu'il était tétanisé. Et cet enfant-là faisait que de le regarder droit dans les yeux avec un sourire bizarre. Et ensuite, il a quitté la chambre et il est parti dans la chambre de l'enfant. Donc pour Abdelwahab, c'était l'événement de trop. Il a entendu que le jour se lève et directement, il est parti chez un imam, lui a raconté l'histoire et a essayé de voir avec lui s'il pouvait y avoir une solution. Et donc, l'imam, il lui a dit, tu sais quoi, je vais venir avec toi dans ta maison, je vais lire et on va savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, l'imam est venu et il s'est mis à lire, à lire, à lire. Et il dit à Abdelwahab, je pense que le ma'moul, c'est-à-dire que la sorcellerie, le travail, le travaux que ta femme a fait est dans la chambre où vous souhaitiez avoir un enfant, etc. Donc, ils sont partis dans la chambre de l'enfant et à force de fouiller, ils ont trouvé, eh bien, toutes les saloperies, pardon,
que l'imam avait donné, enfin l'imam, pardon, le faux sorcier là avait donné, eh bien, à la femme à faire pour avoir un enfant. Elle était tellement déterminée à avoir un enfant.